Mesdames, messieurs, la famille, soldats Kenya, yo, n'est-ce pas parti avec un boulim de Isola? Et pour aller courir dans la République, je dis à la nous passer tout que ils ont village de Dieu en danger. Eh bien, d'après, ça n'est Kenya yo dit par rapport avec dernier affrontement ça qui t'est fait, ou bien affrontement ça qui t'est fait entrer, si messieurs Isoyo, ou bien gang Isoyo, avec soldat Kenya ou mesdames, messieurs, eh bien, Kenya voye gros message ba Iso. Et yo dit, ti drone ke Iso gen la planse sous tête yo de temps en temps, kap kontrole kote yo ya, baza, yo gen pou yo éclater baza, yo gen pou yo fini avec baza, mesdames, messieurs. Ça m'a dit nou an, c'est confirmé, c'est nouvelle confirmé, mesdames, messieurs. Alors, nous connaît yè la, ne Kenya yo, ne yo te pren la ri avec 8 chablende. Même les qui te gen qui te en panne, nous, ne yo te. Mais vous pensez au défi équipe bien bah gaz passé clé c'est là-bas bon ça pas faut pas bon par contre quoi ben que t'es passé qui fait au retirer ça bah il y a qui t'es en panne dans chat américain fait Kenya cadeau mesdames messieurs. Alors hier nèg yo prend la ri oui nèg Kenya yo prend la ri hier nèg yo passé Sean Mass nous connaît Sean Mass depuis gagne policier qui a passé chan qui quelque soit le simo ita gidmo depuis ces chan mas trop passé barbecue nèg vivant ensemble pas pa barou OK pas un problème nèg te passé chan mas nan même jour deuxième troupe là te rivé am te dit nous ça te gon échange de tir entre nèg vivant ensemble avec nèg Kenya. Et bien hier là mesdames messieurs Iso lui-même li met drone ni sous tête nèg Kenya yo pendant que nèg Kenya yo dans centre-ville. Et bien Iso voye ti monsieur lui al vide balle sous chat. Eh bien, te gon échange de tir entre pays Kenya, pays Kenya non soit militaire ou bien policier Kenya yo avec police nationale d'Haïti et policier Kenya avec police nationale d'Haïti et ti messieurs gang yo, mesdames, messieurs, gros affrontement hier, un pile balle tiré et jusqu'à présent, n'a pas que journal et moniteur ou bien journal et officiel pays a pour qu'on baille bilan. De comment ça t'est passé. Mais seul bilan nous gagne actuellement, c'est côté au dit nous que gagnons un chayo qui était en panne dans Tisotisa qui est pays Kenya ou bien dans Tisotisa qui est policier Kenya ou te fait hier, mesdames, messieurs. Bal pour information pour nous parce que ils ont côté monsieur dans village là, monsieur ciblé, nèg Kenya ou fait gros déclaration, nèg yo dit nan base côté monsieur a lancé drone nan appareil que monsieur gagne yo, yo gagne pour yo éclater monsieur à tout petit appareil ça yo parce que ça monsieur a fait yo là, c'était yak monsieur a fait. Et bien Kenya motivé, Kenya dit pour mettre bagaille dans mes Iso mesdames messieurs. Alors et nous gagne Gary Conny hier soir qui fait un gros parler et surtout monsieur parlé avec média yo, OK, qui a filmé scène dit police nationale Kenya a sorti, les police a sorti mesdames messieurs. Eh bien monsieur dit que journaliste yo nèg k'ap filmé yo konti jan prudent parce que nèg yo met les pieds policiers yo, nèg yo met les pieds soldats Kenya yo, nèg yo entré trop, c'est-à-dire nèg yo collé trop près militaire yo, n'importe malek arrivé yo. Eh bien Gary Conny voye message là by tout média yo k'ap filmé ça k'ap passé ya. Et bon, bon l'autre bah, monsieur dit encore, moun ka, ki en direct yo tout. Alors, l'or en direct, ou fait, bandi yo konnen kote, nèg yo ye, li pa bon pou police nationale d'Haïti. M'ka comprenn que c'est pas ça ka boykote en opération. C'est pas ça ka boykote en opération, mais li bon pour nous pas publier en direct ça ka passe pour bandi yo pa konnen, pa positionner police nationale d'Haïti et pa positionner. Force Kenya qui n'a pays d'Haïti qui a aidé la police nationale font travail, mesdames, messieurs. Alors, on va porter information pour nous, on va porter plus de détails pour nous. Avant d'entrer dans le détail, information, comme toujours fait dans la vidéo, je vais saluer chaque abonné moi avec un gros bonjour, c'est ça. Gros bonsoir, selon l'on regarde la vidéo. Ça, et Nabzou, bienvenue sur Stéphane Plakaya, bienvenue sur Zenet Haïti. Et sous pourquoi abonner avec Chenza, ou ma faut qu'on est abonné. Et pour abonner, c'est très simple. Vous pouvez juste garder quand vous marquez s'abonner. Cliquez sur l'abonner, l'offre une abonnée. Pas oublier, cliquez sur le cloche de notification. Retirez sous option personnalisée à vous sur tout pour recevoir toute information en notification. Et si vous avez un like, tout, gardez ma vidéo, un petit pouce, cliquez sur le pouce, un like. En nous faire vidéo, ça, li passer 1000 likes, mesdames, messieurs, en aller. Chaque grand monde qui a regardé, gardez ma vidéo, achetez, côté nous, un petit pouce, mettez un like pour nous aider Chanel à avancer. Ça, la prêter dans le cadre support
pour Chanel ça, mesdames, messieurs. En aller. Bon, vous faites déjà? D'abord, like là dans le monde. Bon, on dirait que nous faisons. Eh bien, tout le monde qui fait le map dit nous merci. En avance avec cette information. Nous. Comme je dis à la mesdames, messieurs, nous connaissons, c'est 18 juillet 2024. C'est Prince qui a dominé l'actualité. À côté que ne Kenya, yo prend la rue là. L'opération va commencer. Et Gary Conil tout fait gros déclaration. T'as l'air qu'on s'en va quitter nous. Et dans la déclaration Gary Conil là pour nous connaître. Et qui ça qui va le faire, à qui ça qui va pas le faire. Alors, ça me tend de la déclaration Gary Conil là. T'as l'air nous va le tendre, oui. Et dans le finissement, Gary Conil parlait, il dit, monsieur, qu'a toujours bon bagay qui fait, en plus, il suffit que nous venions, peut-être nous venions déposer les âmes. Alors, jusqu'à présent, Gary Conil a demandé de déposer les âmes. On dirait que monsieur, pas ta vle que ben sans ça, il coule, ou bien oui, sans ça, il coule sous bandit. Jusqu'à présent, moi, Gary Conil, il a protégé bandit, parce qu'il a demandé pour ne venir déposer les âmes, peut-être nous venions. Alors si nèg yo déposé zam, nèg yo peut-être yo vini, on croit que là nèg yo ka sauvé pour yo. Mais si nèg yo pas déposé, pas décidé déposer zam, Jean Gary Conil dit, gagne village de Dieu, gagne grand ravine, gagne torsel, gagne département de la Tibonite spécialement nèg grand griffe yo nan lien coup, mesdames monsieur, alors a gagné, moi dis nous ça, a gagné un bain décent parce que nèg Kenya yo, nèg yo mobilisé nèg mobilisé actuellement me dit nous gagne 400 soldats Kenya dans pays d'Haïti nèg Kenya yo mobilisé et nèg yo dit que opération yo pral commencer Ramon en 1000 dans tête opération yo et me dit opération yo pral commencer hier pas occupé monde qui a dit nous hier que opération hier pas de opération hier me dit nous que nèg yo t'est sorti pour y aller contrôler terrain nèg yo passer centre ville nèg yo passer champ masse. C'est-à-dire, nèg yo t'ap essayé, ça y est, chao, nèg yo t'ap essayé, vous comprenez? Nèg yo t'ap essayé, chao, pour yo voir comment y ap sorti, et yo t'ap essayé, font y échange de tir, tout avec bandit, parce que vous connaissez que, depuis yo prend la rue, bandit, vous va pas faire échange de tir avec police nationale d'Haïti, ou bien policier Kenya, ou mesdames, messieurs, c'est ça qui te fait hier là. Eh bien, m'a dit nous ça. Ils ont côté misé dans la base de la lancé drone, eh bien, monsieur ciblé, parce que nèg Kenya ou dit, c'est fini. Yo gen pou yo rive sou monsieur, yo gen pou yo craser ti base monsieur gen appareil pile bord li devant la contrôler la ria par drone. Eh bien, mesdames monsieur, nèg Kenya ou dit c'est fini. Eh bien, yo gen pou yo entrer prend ISO, janvier pas janvier mesdames monsieur et nèg yo dit que réussite là nan men yo pas tourner dans pays Kenya sans yo pas mettre la paix dans pays d'Haïti. Alors c'est tout point ça nous gen cap dominer actualité a. Et jusqu'à présent, on connaît gen moun qui toujours envie qu'on ait quelques informations sur artiste là qui disparaît depuis 4 juillet. Nous connaît méchanceté lui-même son artiste rappeur haïtien qui disparaît monsieur Tal non concert à Bahamas. Eh bien monsieur était tout décidé qui ça prend yon petit bateau pour entrer États-Unis. Eh bien d'après information nous et qui ont bateau dans même moment dans même époque ça qui était coulé, gen moun qui était mouri la donne et depuis 4 juillet, y a cherché méchanceté mesdames monsieur. Yo pa konn si misye à gauche, yo pa konnen si misye à droite. C'est-à-dire, méchanceté disparaît là. Gagné 14 jours depuis méchanceté li disparaît, mesdames, messieurs. Bon. Nan information nous, gagné yon frère méchanceté qui fait yon note, qui voit yon note by Teriel Delis. Et Teriel Delis matin, moué que li tape li note là, que gagné pile média qui fait konnen méchanceté li Boston, li nan prison, États-Unis, ceci, eh bien, monsieur fait connaître que non, lui-même qui s'est fait méchanceté, il connaît méchanceté disparaître depuis 4 juillet, mais je dis à 18 juillet, il n'a pas connu méchanceté en haut, il n'a pas connu méchanceté en bas, mesdames, messieurs. Alors, c'est vraiment triste, et il y a un individu tout qui est dans le même garde-côte, qui a fait un trafic ça, il y a de la Bahamas avec les États-Unis, tout, qui parlait hier, ok, qui parlait, eh bien, qui baille en pile détail. Mesdames, messieurs, en alta de Gary Conil, notre titre comme ça, n'a pas tout de encore. Tant que nous tous connaissons, depuis plusieurs années, Haïti a fait face à un gros coquin de crise. À ce moment, je choisis pour me faire un petit parler avec nous, clé, tant que nous connaissons, sur un sujet qui préoccupe nous tous, sans être émotion. C'est causé insécurité. Groupe armé, a taillé mandat sous presque 80% de zones métropolitaines
et plusieurs autres côtés dans le pays à la Tibonite. Groupe Mounzaïo, yo créé un environnement anarchie avec la terreur. La vie chaque jour dans Port-au-Prince tournait une bataille pour survivre. Famille a vivre dans un cœur sauté tout le temps. Déplacer libre dans Port-au-Prince, c'est un véritable calvaire. Dans plusieurs quartiers, si moun yo pa à l'école encore. Business yo, yo ferme porte yo. Et puis l'hôpital ak centre santé, et ben yo abandonné. La rue capitale noire, koun y a tourné champ de bataille, côté un pile innocent perdu la vie. Et côté l'espoir, t'as semblé poko prête pour boujane. Groupe criminel za yo, yo pas seulement lagué la troubaille dans la vie chaque jour, mais yo affecté l'économie pays à tout. Route commerciale bloquée, chaîne d'approvisionnement perturbée, et puis investisseurs yo tellement découragés, yo pas intéressé à mettre l'argent dans le business encore dans le pays. Ça qui a lagué l'économie pays en dégrabat. Ça a créé plus de pauvreté et de chômage et la guerre compatriote nous, deux bras pendiers, sans espoir. Impact humanité à même, c'est pas parlé. En pile milliers de monde qui te caillent pour aller prendre refuge, soit à des amis, ou bien aux parents, et surtout nous, ça, dans une série de abris provisoires qui chargeaient avec monde déjà. Car déjà, utilisé comme une arme pour contrôler la communauté. Femmes actives et en particulier, ces victimes principales du crime. Ils ont souvent kidnappé, violé, et puis forcé à faire ça, ils n'ont pas dû faire en bas de l'âme. Zach Sayo, ils ont quitté le mac physique et psychologique qui a duré longtemps, pas seulement sur les victimes directes, mais tout sur les familles et la communauté. Système santé qui était déjà faible vient plaire aux victimes violence ak moun k ap soufri à cause de effet direct tout problème sa yo. Insécurité alimentaire paraît clair ak pourcentage malnutrition k ap augmenter plus tous les jours. Situation tragique ça vient plus grave ak un climat impunité côté justice là paraît un rêve. Corruption avec la Pérez envahit l'institution qui fait les vins plus difficiles pour l'autorité de répondre avec efficacité. La justice a une grosse difficulté pour les appliquer la loi comme ça doit. Situation désastre exige une action immédiate et décisive. Nous ne pouvons pas permettre au groupe armé de continuer à faire le peuple noir en otage ni dans la capitale. Ni dans la Tibonite, ni dans aucun autre côté de pays. Remettre la sécurité avec l'ordre de Port-au-Prince, c'est une priorité absolue pour l'équipe transition. À ce moment, je vais annoncer que moi, avec le support du conseil présidentiel, pour mettre en application un ensemble de mesures concrètes et décisives pour combattre la sécurité et rétablir la paix dans le pays une fois pour toutes. Initiative ça pour marquer un gros virage dans la bataille contre Calversa. C'est résultat plusieurs semaines de planification avec discussion avec la police nationale d'Haïti qui est supportée par Kenya, l'armée d'Haïti et le service renseignement à travers le pays. Autorité pays, je dis, premièrement, décréter état d'urgence sécuritaire dans toute commune qui trouvait en bas contrôle gang yo. État d'urgence pour le bail gouvernement, outils et instruments nécessaires pour agir, couper bandi yo et puis rétablir l'autorité de l'État. 14 communes concernées par mesure ça. Pour qu'on y a, moi mandé population dans communes qui concernées pour être vigilant et calme. Conseil sécurité yo a vienne de temps en temps et gouvernement, deux gouvernements seulement et à travers réseau officiel seulement. Dans un moment difficile, ça y est, il est important pour nous rester jam, unis et puis disciplinés.
collaboration et engagement nous important en pile pour nous traverser la crise avec succès et puis rétablir Haïti qui est en sécurité et qui a prospéré. Je profite de nous tout pendant que je salue le gros travail journaliste, surtout dans les médias sociaux, qui couvre sous qui Jean la police acclame à protéger la population. Je demande de éviter de faire reportage qui a bandi yo information sous position force l'audio à qui Jean opération a déroulé. Quitte reportage en direct, quitte li pas en direct. Deuxièmement, je demande PNH à support force Kenya yo à force la Médaïti pour commencer petit à petit pas déploiement à coopération dans zone que nous ciblons sous base plan que nous établi. Objectif final là, c'est reprendre toute zone sous contrôle gang yo, kay par kay, quartier par quartier et ville par ville. Troisièmement, moi mandé ministre justice là pour faire tout ça possible pour renforcer pressé système judiciaire nous pour nous continuer à avancer. Un système judiciaire fort, sans force côté, mais c'est pour tout mitant n'importe société qui est en sécurité. Nous allons travailler pour renforcer l'indépendance de la justice, là, pour combattre la corruption, et pour assurer que chaque citoyen, quel que soit le statut, est égal devant la loi. Pour finir, je vais lancer le jour qui vient là, une campagne nationale sensibilisation sur la sécurité. Chaque citoyen doit se sentir impliqué et responsable pour la sécurité de la zone. Nous pouvons encourager la coopération entre la population et la force de l'audio parce que c'est ensemble, dans l'unité, que nous pouvons surmonter la sécurité. Compatriotes, le processus nous commence là. Mais le pape facile. Et m'a tout dit nous, le pape rapide. Moi, je voulais mettre ça clair dans la tête nous. Exemple pays dans le Salvador, Colombie, Jamaïque, qui gagne 10 fois plus de ressources que nous, confirmez nous que bataille pour mettre un pays dans l'état normal, demande temps et participation toute société. Mais songez tout, et moi toujours dit nous Haïti pas perdu et Haïti pas perdu bataille ça 1804 mariage la main indigène avec population de banou indépendance et mais 2024 ça nous devons réaliser mariage force Claudio avec population pour libérer Haïti en bas mais toute qualité bandit qui a touillé violé et puis appauvri malheureuse avec malheureux moi vle dit nous tout. Côté nous embarquer là, pas rien faire bac. Timoun, pas entrer dans le gendarme. Moment arrivé pour nous reprendre le destin pays nous dans main nous. Haïti libre ancêtre nous, te bay ak mourir pour li, pas seulement pour génération pas nous. Chaque génération a une responsabilité devant l'histoire pour le bataille, pour le kembe liberté ça. Et puis pour remettre les mains dans la main, by l'autre génération qui a fini, by petit li et by petit petit li. Compatriotes, objectif nous aujourd'hui est clair. Ce n'est pas seulement retourner le pays à Jean il y a quelques années avant, mais c'est démarrer une fois pour toutes vers Haïti ça que nous tous nous rêvons de lire. Et c'est vrai qu'en pile circonstances qui a obligé un pays, mande l'autre pays aide, surtout dans les affaires crise humanitaire, la crise sécurité. Mais aucune génération pas de sous-traiter Jean li doit bâti caractère nation li, Jean li doit mettre campé un l'état jam cap bay service. Route la pa long en pile. Pa grand pile pelin capitaine. En pile mauvais parole, en pile fake news pour décourager nous pour laguer sur réseau. Mais moins de quoi que grâce à la détermination, nous tous avons réussi quand même. Ensemble, nous pouvons bâtir Haïti
qui est plus en sécurité, qui est plus juste et qui est plus prospect. Mon dernier petit parole pour bandir. J'en ai dit ça déjà. Déposer les âmes, nous, reconnaître l'autorité de l'État. Créole parler, créole comprendre. Que grand maître la béni Haïti et puis guider nous la mission noble. Merci en pile. Me songe que avant hier, on t'a parlé de monsieur. Monsieur Relé, méchanceté, c'est non artiste. Un vrai nom, monsieur, c'est Wens Jonathan Désir. Juste moment, n'a parlé là, pas de monde qui connaît qui côté monsieur fait. Je recevoir en note là que staff management monsieur partagé avec nous, que nous allons laisser partager à coup également. Parce que dossier ça a, monsieur, que je regrette que je n'ai pas de commentaires négatifs sur les réseaux sociaux par rapport à ça. Parce que nous sommes un pays difficile, j'aimerais bien dire. Mais Jean-Monsieur paraît disparaître là, je pense que l'important pour nous essayer de garder ça. Steven Désir, Port-au-Prince, Haïti, méchanceté staff at gmail.com. Plus 1-602-725-6444. C'est comme ça, oui. Notre la partie. 17 juillet 2024. Force Police Royale Bahamas. Département Moun disparaît Nassau Bahamas. Sige. Rapport Moun disparaît pour Wens Jonathan Désir. Madame, Messieurs. Moi écrit pour déposer un rapport officiel pour Frem qui pipiti. Wens Jonathan Désir qui disparaît depuis 4 juillet 2024. Mais détail qui est important pour Kassa. Information personnelle. Non complet. Wens Jonathan Désir. Date naissance 27 juin 1992. Eh, monsieur Timounaye. Eh, Timounaye, monsieur, oui. Hein? 27 juin 1992. Sexe garçon. Nationalité haïtien. Numéro passeport, c'est RM 512-02-79. Numéro NIFLI, c'est 004-799-2772. Description physique. Taille, monsieur, c'est 6 pieds 4 pouces. Poids, monsieur, c'est 200 livres. Couleur cheveux, c'est noir. C'est dread, longueur cou. Couleur jelly, c'est marron. Caractéristique, oui, monsieur sous colli, monsieur gen tatou sous brali qui montre yon paquet l'argent ak plizye lot tatou sous brayo. Monsieur gen persig nan nen. Monsieur gen tout bay sa sou li. Ben non, pa konnen. Ben oui, dernier côté yon konnen li te ye. Côté. Dernier nouvelle sou li te 4 juillet 2024 à 10h30 nan matin. Pendant li te sou yon bateau ak yon mayo sauvetage orange ak yon caleçon kout. Ça un détail ça important, nous pas connait ça. Là c'est frère monsieur qui sorti note ça pour bail détail sur comment note la longue pas comme cali toute, c'est Steven Désir qui écrit note ça. Bon mal plus rapide sur lui. Oui, monsieur dit que dernier côté où qu'on est artiste latéyé dernier nouvelle li sous cadre des nouvelles sous li, te 4 juillet 2024 à 10h30 nan matin, pendant li te sou yon bateau ak yon mayo sauvetage orange ak yon caleçon kout, data clé c'est 4 juillet 2024, 10h30, circonstance, dernier côté Wens Jonathan Désir te konnen li te sou yon bateau. Raison voyage, Wens Jonathan Désir t'es voyagé dans Bahamas pour un concert 18 mai 2024 qui t'est fait dans The Greenhouse. Li t'est resté dans Bahamas pour travailler sur prochain projet li qui t'est programmé pour 2025. Jusqu'à fin juin 2024, li t'est en contact régulier avec yon nan manager li yo qui t'a discuté sur projet. Contact possible. Nous gen raison pour croire que yon individu qui rele Ilinaire Petit Phare qui ka
qui a contacté dans plus 1-242-819-66-75 et puis qui était dans Bahamas. Te communiqué à Wentz pour mettre lui sous bateau. Ménage lui. Qui c'est Linsa Coleridge Martin qui a gagné plus information et puis yo ka contacté lui dans plus 1-516-841-5313. Information pour contacter pour internet pour la lou papa. Bon garder moi. OK, c'est enquête écrit là Louis. Elle écrit enquête là et puis EN mon elle ça me bloqué là. Information pour contacter pour enquête à mise à jour. C'est Steven Désir relation avec monde qui disparaît là, c'est grand frère. Numéro de téléphone moi c'est plus 1-602-725-6443 adresse email moi c'est mechancetestaff@commercial.gmail.com. L'autre information plan voyage possible plan Jonathan c'était fait c'était retourné Haïti associé ou bien contacté l'ité gain contact l'ité gain dans zone nan Elinaire Petit Phare qui c'est plus 1-242-819-6679. Rapport déposé après l'autre agence DCPJ Haïti. Pas fin comprendre partie ça, bon regardez moi associé ou bien contact li te gagné au t'assemblé Elinaire Petit Phare là, c'est grand contact que monsieur te gagné dans moment t'a fait voyage là. Donc, moi mandé force police royale Bahamas pour traiter affaire ça avec en diligence. Famille ak zanmi Wentz Jonathan Désir, yo très inquiet pour sécurité ak bien-être li. Nous paré pour collaborer complètement avec n'importe enquête ou soit procédé qui nécessaire pour joindre li. Tant pris confirmer recevoir lettre ça et puis bay moi n'importe mise à jour. Le plus vite possible. Merci pour attention rapide nous dans affaire série ça. Sincèrement, Steven Désir et notre ça qui également écrit en anglais et c'est ça monsieur Baylanier parce que bayon ti crasse mélangé. Et maintenant de Steven Désir créole la frappe ma tête papa. Donc l'on finit écrit ça faut check on nèg qui konn créole là ka bon ti kout mais parce que grand pile journal yo sans créole yo fait ça dit faut écrit go créole la gon Jean lié papa gon Jean le campé. Donc Jonathan Désir jeune garçon ça méchanceté monsieur disparaît depuis 4 juillet 2024 juste moment n'a parlé là et malheureusement grand pile diversion k'a fait sur réseaux sociaux yo grand pile infox intox un paquet de bail qui a parlé mais pas grand pour gagner de vérité et d'ailleurs notre nous autres li a prouvé que tout ça qui t'a dit avant c'est foulaï nèg animateur monsieur nèg ça au terrible papa rete nèg au terrible oui la radio pas comprendre eh ben Jean Balay comme li donc c'est que notre ça frère monsieur a sorti Steven Désir li confirmer que méchanceté toujours pour te disparu jusqu'à présent personne pas de nouvelle monsieur contrairement à ça les radio negetchen mai t'as dit sur réseau yo contrairement à ça t'as dit t'es dit que monsieur déjà Boston monsieur États-Unis monsieur même la police Bahamas jusqu'à présent famille en poko gain information ça et ben famille en poko et ben joint détail sur disparition jeune garçon ça qui les méchanceté qui sont artistes que en pile monde connaît dans pays d'Haïti. Donc monsieur porté disparu et selon tout ça qui dit monsieur était supposé aller dans un voyage sous bateau justement est-ce que bateau a t'a fait naufrage parce que selon sa autorité ou t'a dit pas longtemps t'a gagné un bateau t'a fait naufrage on colle entre 7 ou bien 8 monde là-dedans comme ça est-ce que monsieur était dans bateau ça personne pas connaît. Qui sa autorité ou dit? Est-ce que vous avez identité
moun ki te victime nan bateau te fait naufrage lan, ça li important. Gen yon zanm de ta pale ki explique que comme quoi, parce que si toutefois, méchanceté te gen volonté pour ta rentrer États-Unis vraiment de manière illégale, li va la rentrer sous nom, parce que voir ça généralement moun yo changer nom yo. Yo toujours changer nom yo ba on l'autre nom. En tout cas, pa konnen, même souhaité vraiment que lumière faite autour de cette affaire pour pays à connait qui s'est passé exactement dans dossier jeune artiste ça méchanceté qui portait disparu que personne ba gen nouvelle.